tout le monde, c'est Petit Œuf, on se retrouve pour... Hey, bref, voilà, non, c'est parce que le M faisait penser... Enfin bref, c'est pas grave. On se retrouve pour le 50e, 49e, 50e 50e, il me semble. Il me semble... Ah putain, c'est joli en HD. It's beautiful in HD. Il est temps de tenter de attaquer avec plus d'iPad notre nouveau Pokémon qui a rejoint notre équipe. On va le tenter, on le tente. C'est Pierre, le champion de l'arène d'Argenta, champion de type roche. On va voir. Un Nidoking contre plus d'iPad. Allez, c'est parti. On va commencer directement par Plaicroix, parce qu'on est des gens comme ça. Fracasse-tête. Alors, on va voir si ça lui enlève beaucoup. Ouais, quand même. Eh bien, plus d'iPad, t'es nul. T'es nul. Bon, c'est un... Ah ouais, mais d'accord, il s'est fait grave mal, le mec. Ah, c'était fracasse-tête, quoi. Ah ouais, ok. Bon, coquille nul, vas-y. Tu peux le faire. You can do it. T'es KO, Nidoking. T'es KO. Ça, c'est bien. T'as bien géré. T'as bien géré, Coquille Swag. C'est Vipère. Allez, on va continuer le combat avec avec Coquille Swag. Éclatroc. Ok, on lui baisse sa défense. C'est pas grave. Intimidation, il rate son attaque. On recommence. Voilà, on lui baisse encore sa défense, ça c'est cool. Intimidation, c'est pas grave, on l'a... Oh, il m'a paralysé. T'as cru que la paralysée ça me faisait peur? T'as cru que ça me faisait peur? You thought it was scaring me? Aïe. C'est pas mal, coup critique. Ok. Mais d'où il utilise guérison avant le rouge là? Non mais là ça va pas là. Allez Popo Girl, c'est à toi. Allez vas-y, Popo Girl. Vas-y, ah. Si oui, ça c'est bien. Intimidation, ah mais pas la paralysie là, ça saoule. Tu saoules là. Voilà, là c'est bien. Parfait. Apiren va être envoyé, on va changer de Pokémon. Allez Flamouillette, vas-y. Je compte sur toi. J'espère que ça va le faire. Il est quand même fort, hein. Vous m'aviez dit qu'il serait moins fort que Ondine, mais je vois pas trop la différence, là. Utiliser une guérison sur Popo Girl. Je regrette que plus d'iPad soit plus là. NT n'a pas racheté de rappel. Hein, c'est bon, hein, ça va, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas racheté de rappel que bon. Yoga. Il augmente son attaque. Refais un coup de yoga, s'il te plaît. Ah non, pas rayon gemme. Ah, rayon gemme, c'est de l'attaque spéciale, mais ça va faire très mal, non? C'est acier? Non, ça va. C'est bon. Allez, mec. Ah, oh, le bâtard. D'où tu rates ton Osmerang, là? T'arrêtes de rater ton Osmerang. Allez, ça le fout. Ça le fout. Voilà, là, tu le réussis. Merci. Oh, le mec. Ok, très bien. Niveau 43. Il veut apprendre Tourbissable. Qu'est-ce que ça fait Tourbissable? Bah non, on s'en fout. Ok. On continue. On s'en fiche. Chuchmur. Chafou. Si pas le bonheur. Moi, je suis rivé d'amour. Ah, oh, super, super efficace.
Eh bah parfait. Avec un seul Osmerang en plus. Normal. Roselia. On garde le même. On connaît le type de Roselia. Par contre, il va être plus rapide, je pense. Acide armure. Ok. Il augmente sa défense. Mais c'est du spécial de toute façon, ce Osmerang, il me semble. Donc c'est pas un souci. Par contre, il a beaucoup de PV. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Ok, ça passe. Par contre, à mon avis, il va utiliser une guérison tout à l'heure. À moins que... Non. Ah. Ouais, c'était la guérison, c'est ça. Oh, le coup critique. Wow. Ah. Ah, il a pu. Merde. Il a pu. Ah, il me l'a mis KO. Popo Girl, tout repose sur toi. Popo Girl contre Roselia, ça c'est beau. Ça c'est beau. Bomberk. Oui, voilà. T'as mis à mal ta fille, c'est superbe. C'était le dernier. Hein. Voilà, superbe. On a battu Rocker Pierre, superbe. Merci. Allez, le badge Roche de Pierre, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, c'est même très super. La CT80, qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle contient la CT80? On va voir. Sac. Marteau point. Ah, marteau point, c'est intéressant. Mais réduit la vitesse du lanceur. On va la prendre à plus d'iPad. Parce que il le mérite, quoi. Il le mérite. À la place de ton truc là, vampirisme. On s'en fout en fait de vampirisme. Ouais. On va t'apprendre marteau point. Comme ça au moins t'as une attaque de type combat qui vaut le coup, qui est stabée et qui a 100 en plus. Donc bon, qui te baisse ta vitesse certes, mais de toute façon il peut tenir normalement avec ses stats normalement. Ok, donc on a fait ça. Maintenant on peut s'envoler vers une autre destination. Alors on a dit qu'il fallait qu'on fasse Céladopole. Céladopole c'est là. Donc on va aller par ici. Donc ça fait un badge dans cet épisode pour le moment. On va voir si on en fait, si on arrive à en avoir un tout petit peu plus. Ok. C'est parti. Ah, Léon, c'était très long la route vers Céladopole, hein. On va au centre commercial et on va tenter d'acheter des CTCS. Des rappels, je dis de la merde. C'était pas là. C'est là alors. Rappel. Superbe. Il y a lui là qu'il faut qu'on aille voir. Là c'est le... Enfin bref. Oh, voilà un masque intéressant. Tu veux quelque chose? Regarde, ne me dis pas que... tu veux mon magnifique masque de Lovis le Teigneux? Impossible, jamais je ne me séparerai pour rien au monde. Ah bon, c'était pas ça, c'est ce masque-là que tu veux. Dans ce cas, ça va alors. Obtiens masque Tortipousse. Hein, ça te suffit pas, masque Wistikra. Hein, ça te suffit toujours pas, masque Tiplouf. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Merci. Voilà, il m'a offert des masques, super. C'était vraiment cool de ta part. Je vais juste baisser un petit peu ça parce qu'on croit que je suis tout petit. Voilà. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Oui, c'est un champion de Sinnoh, hein. Oui, en effet. Ça me paraissait évident, mais c'est vrai qu'il est bon de le rappeler. Pim, pim, pim. Tac, 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 tac. Où est la reine? Je ne me souviens plus de où elle est. Hé,
Je crois qu'il faut utiliser coupe sur cet arbuste qui boucle le passage. Et j'utilise coupe avec coquille nulle. Ensuite, je vais à l'arène de Céladopol. Allez. Alors, c'est l'arène avec des fleurs là partout. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est chiant. Enfin, non, ça va le faire, mais. Faire attention parce que on peut se faire attaquer par des messieurs. Est-ce que c'est un peu le swag ce que je viens de faire? Est-ce que c'est un peu la swagance? Est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi à passer sans me prendre un seul dresseur? Eh oui, je crois bien. Bien le bonjour, le temps est admirable aujourd'hui. On a envie de fermer les yeux et de se laisser glisser. Moi je suis Erika, champion de la reine de Céladopol. Oh! Tu viens de Johto, quel honneur, enchanté, bien sûr. Eh ouais, je connais la reine par cœur. Non, mais j'ai juste, on voit juste aux endroits où on peut passer. Oh, Givrali! Trop mignon. Allez, on tente le marteau point. Oh, en plus, il est type glace. Superbe. Givrali type glace, ça c'est parfait. Nous, on va bien résister, normalement. Oh, ça va. Ça va, c'est bien. Marteau point. Ah, il est KO. Je pense. Très bien. Masco! Il est de Pokémon feu et combat. Du coup, faut faire très attention en fait. Qu'on va faire marteau point. Là, il peut me faire mal, mais on a une super défense spéciale, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, easy. Regardez, il prend rien comme dégâts. C'est superbe. Sa vitesse baisse. C'est pas grave. Marteau point. Ah, vitesse baisse. Allez, on continue. Ah, guérison, il fait chier, allez. Wow, tu vas te calmer, toi. Ah, bah il est KO. Ah, bah il est KO. Ah, bah d'accord, ok. Ok, donc c'est là qu'on envoie les grands moyens. C'est là qu'on envoie les grands moyens. C'est comme ça. Oui, le poison. Non! Ça va. Coquille Swag, vas-y, c'est à ton tour. Florizarre. Coquille Swag versus Florizarre. Alors, je sais pas du tout de quel type il est. Éclatant. Je croyais que la reine de Céladopol était plus faible. Enfin, il me semblait qu'on m'avait dit ça. J'ai du mal à lire. Pauvre Coquille Swag. Heureusement qu'il se blesse un petit peu. Hein. Vol mais sérieusement, mais le mec a vol magnétique. Non mais allez, c'est bon. Tu me saoules. Trop feu, ultra laser. Putain, ça lui enlève beaucoup. Ça lui enlève pas beaucoup. Vol. Putain, ça lui enlève rien. Je m'en fous, j'utilise des rappels. Hein. Allez, on utilise des rappels sur plus d'iPad. Voilà, on utilise un rappel sur Popo Girl. Voilà, très bien. Allez, Popo Girl, c'est à ton tour. Maintenant, tu nous utilises Bomb Burk. Ah bah non. Ah bah non, faut pas attaquer avant par contre. Le mec, il attaque avant. Appel soin.
Non! Mais mec! Putain, c'est chaud. C'est chaud, hein, on va perdre, hein. On va perdre, hein, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous dis qu'on va perdre. Hein. Eh, on va perdre, hein. On va perdre, hein. En plus, vous allez m'engueuler parce que je vais gagner avec des rappels. Même pas, parce qu'en fait, il est en onde de choc. Eh, c'est vraiment nul comme combat. J'ai aucun de mes Pokémon qui survit en fait. Ah si, peut-être lui. Ah ça va, ok. Ok, bon, très bien. Allez, plus d'iPad, c'est à toi. Bon, cette fois tu nous fais une attaque qui fait très mal et tu nous fais un marteau point. Ouais, il le survit. Oh, d'où ? Il a pas réussi à faire le marteau point. Allez, ça saoule. Moi, ça me saoule. Non, mais les mecs, il a pas réussi à faire marteau point. Allez, tu le tues là! Mais genre le mec il attaque avant, mais c'est une merde! Allez, bon allez, là tu peux le faire, là tu peux le faire, vas-y. Tu fais juste un tout petit attaque vol, allez vas-y, attaque vol, voilà. Non mais genre il rate son attaque, mais... Voilà, merci. Oh là là là, pas possible. Allez. Pijako. Eh, ils sont quand même niveau 56, hein. Bah vas-y, mets-moi KO. Si le mec KO plus d'iPad, moi je pleure. Marteau point, je m'en fiche. Voilà. On t'a battu, Erika là, Erika. Bon, allez, donne-moi ton badge prisme là. Non mais c'est pas possible, là ça saoule. Allez, tu saoules. Va-t'en. CT19, qu'est-ce qu'on a dans la CT19? Sac. Alors CT19. On a appel attaque. Tiens, bah il avait appel soin et puis on a appel attaque. Ah, c'est vachement cool ça. Et puis on peut lui apprendre, ça c'est cool. Du coup, au lieu de faire play croix qui coûte 80, on peut faire appel et attaque qui fait 90. Ça c'est cool. Allez, on fait ça. Il faut absolument que tu pexes avant de combattre les champions suivants. Alors, je ne sais pas, je me demande. Je me demande s'il y a vraiment besoin. Parce que pour le moment, on réussit. Mais ça va faire comme dans Pokémon Heart Gold quand j'ai... Enfin... Pour ceux qui ont suivi Pokémon Heart Gold, ils voient très bien de quoi je parle. Sinon, les autres, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je vois très bien de quoi je parle. Je suis à deux doigts d'éternuer. Ah! Allez! Go à Parmanie via la piste cyclable. Ok. Donc la piste cyclable, elle est à gauche, là. À droite. Ouais, gauche, droite, c'est à peu près pareil. Allez, on soigne les Pokémon.
qui est en super forme. Il va falloir s'entraîner avant le speedrun, à mon avis. Bah justement, dans un speedrun, il n'y a aucun entraînement. Là, on speedrun à mort. Au frais, c'est bon, hein, tu vas te calmer. Hein. C'est par là, la piste cyclable. C'est d'autre part là, ouais. Hé, hey, toi, là, stop, la piste cyclable est interdite à ceux qui ne sont pas en bicyclette. Allez, c'est bon, tu me saoules. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la merde? Voilà, bicyclette, elle est là. Voilà, c'est bon, je peux venir. Voilà. Elle descend toute seule ou pas? Ouais, elle descend toute seule. Et voilà, on a passé la piste cyclable sans toucher personne. Et ça, c'est cool. Allez, par manie. C'est qui qu'on doit battre? C'est elle? Ah, dommage, mais c'est raté. Ah non, c'était encore un piège. C'est moi, la vraie. Ha ha! Hé hé! Po! Po, comme ça, direct! Moi, je les connais, les arènes. Pff. Moi, les arènes, c'est ma vie, hein. Moi, c'est ma vie, les arènes. Appel attaque. Détection. Merde, il est prêt à se protéger. Ah non, il m'endort. Oh le bâtard. Tempête verte. Qu'est-ce qu'il a cru? Je vais faire ruse. Ça marche pas. Ok, d'accord, très bien. Appel attaque. Mais arrête! Mais le mec! Mais tu vas te calmer? Mais sérieusement? Allez, je m'en fous. On va voir, il va se réveiller au bout d'un moment. On sait pas quand. Voilà, merci. Bon. Le mec là, il fait siffler à chaque fois comme ça, je m'en fiche. Mélocric. Allez, voilà. Si plus d'iPad là, il peut pas se rendre utile, c'est fou là. J'aurais dû faire par manie en premier en fait. Allez, petites abeilles, allez-y. Ah, ça fait pas très mal. Hein. Tant pis, on s'en fiche, on va faire marteau point. Crochet venin. Pokémon de type... De type... Hein. Un petit peu, quand même. Ah, ça fait... Bon, on va changer de Pokémon. On va changer de Pokémon parce que là, il y a un gros problème de... De problème, là. Crochet venin. Bon, il a l'air de type poison, donc normalement Osmerang quoi. Putain. Mec, il a fait... Oh! Mais mec, fais-le ton Osmerang là. Voilà, merci. Ok, super. Il va pouvoir le tuer normalement. S'il lui reste un PV, je me tue. C'est bon, je me tue pas. Ça va. Mew! Bah non, mon Pokémon légendaire! On l'avait jamais eu, c'est cool!
Le mec a Mew. Yeah. On n'avait jamais eu Mew. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Allez, Osmerang. Hydrocanon. Ah, d'accord. Pokémon de type eau, du coup. Ok, Pokémon de type eau. Alors. Alors. On va partir sur un Popo Girl. Ah, ça enlève pas beaucoup, hein. Il est trop cute. C'est vrai qu'il est mignon, j'avoue. On l'a empoisonné. Eh oui, c'est vrai que j'ai peau sèche. Eh oui, je suis bête. Du coup, même s'il m'attaque avec hydrocanon, c'est pas grave, quoi. Putain, à chaque fois, je le fais s'ouvrir de poison, tu sais, le poison croix. On termine avec ça. Ok, superbe. Très bien, niveau 47 pour Popo Girl. Mélo fait. Ah merde, j'ai fait poison croix, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Ah bah c'est empoisonné, superbe. Charge d'os. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, charge d'os par contre. Mais on peut peut-être le tuer avec Bomberk, hein. C'est fort probable, hein. Regardez. Yeah, ça marche, superbe. L'ombré. Allez, on va changer de Pokémon, puis on va envoyer plus d'iPad. Vas-y, plus d'iPad, c'est à toi de jouer. L'ombré. Allez, on va partir sur des appels attaque. Pic pic. Ah. D'accord, donc c'est un Pokémon de type vol. Eh, ça passe. Ça passe. Oh. Ah merde, il lui reste un PV. On peut peut-être le retenter, voilà, parce qu'il utilise guérison. Refaisons un appel attaque. On va voir combien ça lui enlève. Guérison encore. Appel attaque. Appel attaque encore. Pic pic. Super. Appel attaque, c'est bon, on l'a mis KO. Ben voilà. Et ben voilà. Et ben c'est bon. Quoi qu'il soit, monte au niveau 44, très bien. Et ben voilà. 3 badges d'arène en un épisode. Ben voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ben voilà, le badge âme. Donc ça fait qu'on est à 2 badges de la fin, hein. On est à 2 badges de la ligue Pokémon, hein. Donc on est plus très très loin, finalement, hein. On est pas mal, on est pas mal du tout. J'ai pas vu quel CT elle m'a donné. Donc écoutez, tant pis. Va falloir qu'on ressorte par contre, donc là ça va être un petit peu chiant. Ah, du coup là on voit que c'est pas des vrais dresseurs. Je sais plus du tout par où je suis passé. Genre un truc dans ce genre là, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Foup. Ok. C'est bon, on a pu sortir tranquillement. Et bien voilà. Et bien écoutez, c'est ainsi que se termine ce 50e. C'était le 50e. Ce 50e épisode de Pokémon Argent Soul Silver. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, 3 badges en un épisode. C'est plutôt bien. Et puis bah écoutez, je pense qu'on se retrouve dans l'épisode suivant pour pourquoi pas la reine du feu. La reine de... comment elle s'appelle? Carmin-sur-Mer. Carmin-sur-Mer. Non. Pas Carmin-sur-Mer. Cramoisil. Cramoisil. La reine de Cramoisil. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.